la difficile pour le monde qui vient défendre Ariel Henry là. Quatre fois ça. Très difficile. Même les membres du gouvernement. Même avec une audace politique, la difficile pour jouer un acteur politique, qui soit maintenant de la société politique, qu'il soit de la société civile, ou à bien au monde qui dans l'impossibilité pour venir défendre. Là, parce on, et le gouvernement. On ne défend pas les défendables. Et le gouvernement, il a un gouvernement, non, écoute, il a des ministres. Écoutez, membre du gouvernement. Comme ça, parce qu'on est un job ministre au gouvernement, écoutez, pas une responsabilité pour défendre le gouvernement. Il y a une promesse, monsieur Ariel te fait. Alors, il y a un ministre de la communication et de la culture. Il y a une balle dit. Tout acteur, tu es un noyau qui était là pour aider le mettre en gouvernement qui inspire confiance. Il y a un noyau pour cadeau. Monsieur Ariel dit, bon, tu as aimé mettre en gouvernement qui a de la gueule. Et je crois que. Qu'est-ce qui explique ça là? Un gouvernement qui est impressionnant, qui va parler, qui est capable de convaincre le monde. Mais finalement, et qui soit constaté, c'est un gouvernement qui totalement a nagé dans le mutisme. Donc, malgré le bon ministère de la communication, mais pas capable parce que. Vous connaissez ça, Akwadi à ça. Akwadi, à l'article 4. Il définit les critères suivant lesquels pour ou choisir un ministre. Mm-hmm. C'est entre les signataires de l'accord, mm-hmm. ou bien politique, ou bien société civile. Et il dit faut que le ministre a lui-même faut adhérer à contenu accord. Pas aucun ministre là qui adhère à contenu accord. Mais aucun ministre qui adhère à contenu accord. D'ailleurs, bon, c'est 29 articles à quoi il a donné. Moi-même, son accord me compte pas cœur. Mm-hmm. Non seulement. Donc, souvent, nos ministres, bon, moi, tique n'a quoi là, il va connaître. Écoutez, il n'y a pas même l'île même. Il n'y a pas même l'île. Parce que, écoutez, ça, qui ça a quoi dit? Moi-même, si vous comparez l'accord du 11 septembre et celui ou bien la proposition de Montana, ou après que, pas qu'il y a trop de différence, sinon une différence au niveau de la forme. Mm-hmm. Montana dit, il faut maintenant une gouvernance bicéphale, mm-hmm. et nous-mêmes, nous dit, nous accepter M. Ariel comme Premier ministre, mais dans le cadre du Conseil des ministres, ça veut dire qu'ils sont en forme de collégialité. Mm-hmm. Donc, nous avons fait des routes qui sont très claires. Par exemple, on a fait des routes, là, il dit très clairement, c'est restaurer l'autorité de l'État. Actuellement, quelle est la situation avec le palais de justice? Eh bien, la justice a couru pour bandit. Mm-hmm. Avec un gouvernement soi-disant maintenant qui est issu maintenant de l'accord. Mm-hmm. Donc, quand j'ai vu M. Ariel viser dans les arrêtés qui sont administratifs l'accord politique du 11 septembre, c'est une supercherie politique. Mm-hmm. Parce que ça n'a rien à voir avec l'accord politique du 11 septembre. Mm-hmm. Sous 29 articles dans l'accord, ça, pas de youn qui appliqué. Pas de youn. Youn. Parce que j'ai reçu. Et mettez en défi même les partis politiques qui sont au gouvernement. Au gouvernement, ils ne vont pas venir demander là. Mais pourtant, ils sont là. Et ça m'a dit à là, m'a dit à haute et intelligible. Voilà, ils m'ont dit tout bas. Mais ils ne vont pas dire. Ils dit tout bas. Et qui pisait? Ils ont même pendant qu'ils ont dit que à quoi pas appliqué, mais ils se sont fait complices. Donc vous voulez parler de la violation de l'accord. On parlait de ancienne figure opposition. On parlait de SDP, on parlait de fusion, on parlait de. Non, il y a deux opposants, deux anciens opposants à Jovenel Moïse qui dans le gouvernement, nous tous connaissons. C'est qui est-ce? C'est sénateur Ricard et puis Rosa Padel. Mm-hmm. Bon, docteur Lassé. Bon, ça, ce sont les personnages. On parlait de structure politique qui sortir. Oui, bon. Là, on a parlé de SDP, on a parlé de fusion. Oui, tout à fait. Donc on dit que par une new green article. Non, qui non 29 articles à quoi par un green article qui en application. Mais qui ça veut dire quoi? Kadoa, après, je me dit deux mises en demeure, si je me dit, et 7 février, nous dit, nous créons un comité d'initiative de l'accord, des signataires de l'accord, nous dit, à quoi pas appliquer? Nous portons la connaissance et pour émis ça y la vie. Deuxième année, c'est récemment, nous faisons l'autre bagarre encore pour nous dire attention, puis qu'elle a avancé avec un conseil électoral provisoire, et bien qui risquait de compliquer la crise davantage parce que dans l'accord politique à ça du 11 septembre, il dit très clairement il faut
dans une feuille de route que le gouvernement gagne, il dit créer un espace de dialogue permanent. Est-ce que c'est Ariel ou qui a mené le dialogue là? OK, Antoine, vous parlez de vous dit que pas un article du tout. Il y a un autre Emmanuel Ménard. Emmanuel Ménard dit et même le gouvernement qui devait prendre naissance à partir de cet accord n'a jamais vu le jour. Eh bien, ça descend de là. Il a raison parce que. Le gouvernement n'a pas à croire que Baélé. Du tout pas. Est-ce pourquoi maintenant c'est la logique maintenant qui poussait Kadora désolidariser de cette gouvernance qui n'est pas l'émanation de l'accord.